Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme j'avais promis, ça fait déjà un petit temps, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec le drawing gun pour les coloriages. Voilà, donc j'ai choisi un coloriage tout ordinaire pour vous montrer comment s'en servir. Alors, pour ça, bah, il vous faut le petit pot de drawing gum. Je parle toujours aussi bien anglais. Hein. Il vous faut un ou deux pinceaux. Donc là, moi, j'ai pris un fin et un plat. Voilà. Alors, essayez de prendre. Bon, là, c'est des pinceaux ordinaires d'action. Prenez des pinceaux donc ordinaires, mais que vous n'allez garder que pour ça. Voilà. Ne vous en servez pas pour autre chose après. Voilà, donc vous ne vous en servirez que pour faire avec ça. Et ensuite, un petit peu d'eau avec un peu de liquide vaisselle dedans. Voilà, ça c'est pour aider au nettoyage du pinceau. Mais on va quand même le tremper avant de se servir du produit. Voilà. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc ce qu'il va falloir, c'est ben, secouer parce que vous voyez, il y a du dépôt dans le fond. Donc il faut c'est secouer. Alors pas énorme hein, pour pas que ça fasse des bulles, mais juste pour que le fond ben, il soit bien mélangé. Alors l'idéal, c'est si vous pouvez, c'est d'en mettre dans un petit couvercle, par exemple, un petit couvercle d'eau, n'importe. Là, bon, je n'en ai pas sous la main, donc je vais le faire comme ça pour une première fois. Pour dire de ne pas mettre du produit vaisselle dedans. Mais bon, là, je vais faire attention. Je mélange. Voilà. Et donc. Ensuite, je me prends donc ma feuille à dessin et il ne me faudra rien d'autre pour l'instant. Je vais baisser la caméra pour que vous voyez comment ça fonctionne. Allez, je change la vue de la caméra. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc là, ce qui est. Ce produit, donc là il est liquide et ça va faire comme une gomme, d'où son nom, ce qui va vous permettre de protéger tout le dessin de votre coloriage. Et une fois qu'il est sec, ça va vous permettre de faire votre fond avant de colorier votre dessin. Voilà. Et après, une fois que votre fond est sec, vous pourrez enlever cette gomme donc au doigt ou alors avec une petite gomme, je ne sais plus comment on les appelle, mais bon, là, moi j'en ai une en commande. Quand je l'aurai, je vous la montrerai ou je vous la mettrai en barre d'infos pour vous montrer. Alors, je vais tremper mon pinceau dans mon eau pour l'humidifier. Là, pour l'instant, je vais prendre le fin et je vais. Donc tremper et je vais commencer à protéger mon dessin. Donc c'est pas la peine de faire des grosses couches, hein. Et ça ne va pas abîmer votre dessin non plus. Donc c'est comme si vous étiez en train de colorier votre dessin. Mais là, vous faites
toute la partie sans faire les détails, hein, vous coloriez carrément tout votre coloriage en une fois. Donc après votre fond, vous le faites comme vous souhaitez, hein. Au pastel, à la peinture acrylique, ça vous, comme vous avez l'habitude. Voyez. Donc j'en mets bien sur tous les motifs du coloriage. J'espère que vous voyez bien. Donc après, il va falloir laisser sécher dans quelques minutes. Hein. Bien sûr, parce que vous ne pouvez pas faire votre fond tant que ce n'est pas sec. Hein. Alors là, c'est un dessin avec des petits motifs. Si vous avez un grand dessin qu'il n'y a pas besoin de protéger comme ça tous les motifs, vous pouvez ne faire que les bords, par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Allez, là je vais accélérer la vidéo et je reprends avec vous après.
Alors voilà, j'ai terminé, donc je vais refermer mon pot. Alors voyez, déjà sur le pot, hop, ça me fait une gomme, voyez. Fermer, pas faire de bêtises. Voilà, donc mon dessin est tout bleu pour l'instant. Je montre. Donc là maintenant je vais les faire sécher, en attendant je nettoie mon pinceau. Oui, ça s'en va facilement. Hein. Voilà. Et mon pinceau est tout propre, il n'y a plus rien. Et mais bon, vous gardez toujours vos pinceaux que pour ça, parce que bon, à la longue, ils vont s'abîmer. Hein. Donc voilà. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu, enfin un petit peu, complètement. Et pendant ce temps que ça sèche, je vais préparer mes aquarelles. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. À tout de suite. Alors. Voilà, donc c'est sec. Donc je vais faire mon fond en aquarelle. Donc je vais me servir de ces aquarelles-là. Voilà, les aquafines. Voilà, les Dallaire Rowney. Bon, enfin vous voyez le nom. Hein, vous savez que je sais très bien parler anglais. Je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos. Donc voilà mes aquarelles. Donc je vais me servir de ma palette. Ça c'est une palette que j'avais eu Action. Et je vais me servir de mes pinceaux. Donc là je vais prendre des gros pinceaux. Donc j'ai cela. Ça c'est un d'Action. Ça c'est un vrai pinceau d'aquarelle. C'est un Campus Rafale. Voilà. Pareil, je vais essayer de vous retrouver le lien et je vous le mettrai en barre d'infos également. Et on attaque. Donc on peut servir des pinceaux à réservoir d'eau, hein, bien sûr. Allez. Thank you.
Donc là, je peux passer mon aquarelle sur mon dessin, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je mets que du jaune. Là, je vais remettre une autre couleur. Un pinceau plus petit. Ah, celui-là, il y avait de la peinture dessus, tiens. Bon, c'est un peu un fond gribouillis, hein. C'est surtout pour vous montrer, hein, c'est pas l'histoire du fond, hein, que je veux vous montrer.
Le fond n'a pas d'importance. C'est un petit brouillon que je vous fais. Donc là, il va falloir que je laisse sécher encore mon aquarelle. Voilà. Bon, je vous dis, le fond, vous ne faites pas attention, c'est vraiment un brouillon, hein. Voilà. Ça ira. Et là maintenant, je vais laisser sécher et après je vous montre comment on enlève donc la pellicule de Dramwing Gum et après, donc après vous pourrez refaire vos 1, 2, 3, coloriser votre dessin. Voilà, maintenant on va laisser sécher et on se retrouve tout de suite. Allez, on va gratter, gratter, gratter. Allez, maintenant, on va enlever la pellicule. Allez, je vais vous montrer ça. Donc, là, on va prendre juste son doigt, hein. Voyez, je vous montre déjà. Donc même avec le doigt, ça suffit, hein. Ah, j'avais oublié d'en mettre là. Bon, ça fait rien. C'est pas grave. Oui, ça s'en va tout seul. Ça fait un peu élastique, caoutchouc. Dans ce sens-là, pour que vous voyez bien.
Là, il ne reste plus que le petit papillon. Vous voyez, ça va vite, hein, après enlever. Et voilà. Là, si j'ai bien tout enlevé, oui. Donc voilà. Vous voyez, on a récupéré notre dessin, nickel. Il n'y a plus qu'à le mettre en couleur. Et le fond, lui, est déjà fait. Donc, le fond est fait vraiment à ras du dessin. On est tranquille. Voilà. Et c'est miraculeux. Non, c'est nickel, ça. Voilà, je regarde, non, il n'y en a plus. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à le coloriser. Bon, ça, je vous le mettrai en couleur et je vous le montrerai sur une autre vidéo, le résultat. Mais là, bon, voilà. Donc voilà, comme ça, maintenant, vous savez à quoi sert le... Hop, je vous remonte le petit flacon. Le drawing gum. Voilà. Et comment on s'en sert. Voilà, rien de plus facile. Hop, je mets mes petites épluchures de gomme dans mon cendrier. Et voilà, maintenant vous êtes comme ça, votre fond est déjà fait. Et après, il vous reste à faire la colorisation de votre dessin. Voilà, je vous remets pour que vous le voyez en entier. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite vidéo tuto du jour et astuce. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vous remets en barre d'infos pour retrouver donc ce produit. Et je vous remets en barre d'infos également les produits dont je me suis utilisée, c'est-à-dire les aquarelles. Et également, je vous remettrai le pinceau. Bon, je m'en suis pas servi, mais je voulais montrer celui que spécial aquarelle, puisque je me suis servi de ceux d'action. Je vous mettrai aussi en barre d'infos et je vous mettrai en barre d'infos le livre dont était extrait ce dessin. Donc c'est celui-ci, Simplement Relax. Donc c'est mon livre qui me sert à faire mes tutos, mes brouillons, voilà. Donc je vous remettrai également en barre d'infos s'il vous intéresse pour le retrouver. Je vais vous laisser donc pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, bien sûr, comme d'habitude. Et maintenant, je vous laisse. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et voilà Fifi, l'ombre de Fifi qui passe. Allez, gros bisous à tous, à bientôt, bisous bisous.